Alors, les veillées citoyennes, c'est un rassemblement de personnes qui sont connues au fil de différentes manifestations sociales, dans le but de d'éveiller les gens en général à différents thèmes et différents sujets de société. Alors, les veillées citoyennes, ça va se passer à Angoulême, place Hergé, enfin autrement dit la place Marengo. C'est un choix, c'est-à-dire que plutôt que de s'enfermer dans une salle où tous les gens ne vont pas forcément venir ou ne viendront que ceux qui sont déjà convaincus, l'idée c'est que le passant, le citoyen lambda, se confronte quelque part à des idées qu'il n'aurait pas découvertes autrement. Alors c'est complètement gratuit, les frais c'est nous qui les engageons, voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura quelques petits goodies à vendre, une boîte à dons, etc. On a surtout beaucoup bataillé sur la partie droits d'auteur, SACEM, etc. pour avoir les droits des films, mais du coup c'est complètement gratuit. Alors, les veillées citoyennes, ça commence le 13 juin, ça s'étale aussi sur le 14 et le 15. Ça commencera tous les soirs à 20h. L'idée, c'est d'avoir toujours le même schéma, c'est-à-dire musique, un film documentaire, une partie conférence et après du débat directement avec les gens. Et ça va s'étaler jusqu'à 1h du matin. C'est ouvert à absolument tout le monde. Et même limite, les gens qui se sentent le moins concernés sont justement prioritairement conviés. Alors avec les enfants, c'est un peu compliqué parce que... Enfin, je pense, moi je sais que j'amènerai pas ma petite parce que ça reste du documentaire en général d'1h à 1h30 avec une conférence qui suit derrière. C'est surtout pour eux, je suis pas sûr que ça va les intéresser, ça dépend de l'âge. Voilà. Alors si tu viens, tu verras la première soirée le thème convergence. Donc là ça va parler de tout ce qui est convergence des luttes sociales, des différents appareils, etc. Comment on peut s'organiser ensemble pour éviter de se disperser et surtout de trouver des points d'accord. La deuxième soirée ça va être sur la décroissance, ce qu'on appelle aussi l'effondrement, quand on veut utiliser des gros mots. Tout ce qui est relatif à la fin des matières premières, du pétrole, des ressources métal, etc., qui risque d'emporter avec lui tout le reste du système sur lequel on est confortablement assis. Et la troisième soirée, ce sera sur le libéralisme. Au début, on avait dit le néolibéralisme, mais bon, après, il y a eu des débats d'idées sur est-ce que c'est le néo, l'ultra, voilà. Donc, le libéralisme en général, avec un documentaire, enfin, plusieurs documentaires qui vont expliquer ce que ça implique, comment ça a paru, et comment on peut essayer de combattre ça, quand on voit tous les dégâts que ça produit. Alors, qui organise c'est une association qu'on a fondée exprès pour, justement, pour faire cet événement et d'autres, donc ce qui explique le petit budget. Donc des personnes qui se sont rencontrées à travers différents mouvements, différentes actions. Et autour de ça gravitent pas mal de partenaires. Donc on a fait appel notamment à ATTAC, Sud Solidaire. Ici sur Angoulême, pas mal aussi d'autres petites structures et grosses d'ailleurs, hein. Il y a la MPP, donc la Maison des Peuples et de la Paix. Je ne vais pas tous les citer de tête parce qu'il y en a quelques-uns, mais je me dois de remercier quand même Fakir et Jour de Fête qui nous ont beaucoup aidés pour avoir les droits, notamment sur le premier film qui est Je veux du soleil. Voilà. Si tout se passe bien, bien sûr qu'on continue, évidemment. Et puis même si ça se passe pas très bien, parce que là, notamment, la météo va pas forcément être avec nous, on verra bien. Mais oui, dans l'idée, c'est de surtout pas faire un one-shot. Hein. L'idée, c'est de faire une deuxième, troisième, et autant d'éditions qui sera nécessaire pour que les gens prennent conscience de tous ces sujets très importants.